Montante atayons ali ma vie ningenyosa akobenga yon solo uzonga epaina ye akobongo la yo okoma osa kaye nazali koluka bampate na yesu Babunga kikala Bakati Yalo pango ya tatao Okozonga Epai na yesu Epai na ye Okokota Nakati yalo pango Nous nous mettons debout tout On va nous lire les livres d'Exode Batangere Chapitre biso. 3 Exode 3 Verset 5. Verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Amen. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Béti Maboko pour Nkumu la Bankumu. Les dieux imana, les dieux transcendants, les dieux de qui tout vient et à qui tout revient. Yeah.
Alléluia. Amen. Tu peux m'aider à saluer des personnes qui sont autour de toi. Sungana kopé salo sako batomi balo baza pene na yo. Et tu lui dis que ce matin, tu lui dis. Lobana eboy na tongo. Tu lui dis que ce matin. Na tongo. On va nous parler. Bakolobela biso. Du Dieu totipotent. Est-ce qu'on parle quand même très fort pour nous? Alléluia. Amen. Bon, nous vous aidons également à enrichir votre vocabulaire. Et ils peuvent l'appeler Dieu Tout-Puissant. Mais nous l'appelons le Dieu Totipotent. Biso Tobengie, le Dieu Totipotent. Donc, c'est-à-dire que en lui, il y a tout. Au-dessus de lui, il n'y a personne. C'est pourquoi je t'interdis de prier au nom de Gégé. Alléluia. Amen. La Bible dit, faites tout. Bosala nyonso. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la toute-puissance de Dieu. Lelo na kolobela bino na o etali nguya de na nzambe. Pourquoi je vais parler de cela? Pona ina ni kolobela yango. Les gens sont en train de perdre peu à peu leur foi. Bato bazali kobungisa moke moke kondima na bango. Pourquoi ils perdent la foi? Pona nini babungisi kondima? À cause des apories de la vie. Konantina na mitungi sio ezanga biano oya bomo. Et finalement, quand ils sont débordés par les problèmes, tango makambo eleki pona bato, ils oublient Dieu. Bazali kobosa na nzambe. Ils commencent maintenant à chercher les dieux des noirs. Babandi koluka sika wa nzambe na baindo. Les autres cherchent Gégé. Bamosusu bazali koluka Gégé. Les autres cherchent les dieux Mukuna de Lemba. Bamosuba koluka nzambe Mukuna oa Lemba. Les dieux cherchent Ebalembongi. Bamosusu baluki Ebalembongi. Aujourd'hui le monde cherche à connaître si vraiment Jésus est vivant. Ils ont vu des paralytiques marcher. Ils demeurent toujours incrédules. Ils ont vu des grands témoignages, ils demeurent toujours incrédules. Ils veulent voir le Seigneur Jésus-Christ descendre à travers les nuées. Aujourd'hui, les églises sont partagées, chacune avec sa doctrine. Ils ont vu des paralytiques marcher. Ils demeurent toujours incrédules. Ils veulent voir le Seigneur Jésus-Christ descendre à travers les nuées. Oh Jésus, Jésus, il n'est plus dans le tombeau. Oh Jésus, il n'est plus dans le tombeau. Oh Jésus, mon roi, il n'est plus dans le tombeau. Et dans les bongues, il demeure dans le tombeau. Il demeure dans le tombeau. Mon roi dans les mains, il demeure dans le tombeau. Ma aimé, il demeure dans le tombeau. Confucius, il demeure dans le tombeau. Les têtes des noirs, il demeure dans le tombeau. Oh, oh Jésus, mon roi, il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus dans le tombeau. Totipotent, il n'est plus dans le tombeau. Même si c'est né, il n'est plus dans le tombeau. Oh Jésus, Jésus, il n'est plus dans le tombeau. Oh Jésus, Jésus, il n'est plus dans le tombeau. Et par les bongues, il demeure dans le tombeau. Il demeure dans le tombeau. Mokuna alemba, il demeure dans le tombeau. Kadima kananga, il demeure dans le tombeau. Mahomet, il demeure dans le tombeau. Confucius, il demeure dans le tombeau. Oh, oh Jésus, Jésus, il
Jésus, il n'est plus dans les tombeaux. Oh, Jésus, Jésus, il n'est plus dans les tombeaux. Oh, les rois, Jésus, il n'est plus dans les tombeaux. L'agneau immolé, il n'est plus dans les tombeaux. Ton père, il demeure dans les tombeaux. Ton grand-père et ta grand-mère, il demeure dans les tombeaux. Et Balembongé, il demeure dans les tombeaux. Jésus, Jésus, il n'est plus dans les tombeaux. Jésus, mon roi, il n'est plus dans les tombeaux. Amen, amen. Amen. Les gens qui font ces choses, ils font par ignorance. Et si nous ne prêchons pas, ceux qui t'ont été, ils vont croire que pour s'acheter un beau costume, il faut toucher à la magie. Non. La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Alors aujourd'hui, je veux vraiment vous parler de la grandeur de Dieu. Parce que je sais qu'à cause des problèmes, beaucoup sont fatigués. Il y a même quelqu'un qui est venu me voir. Il me dit, est-ce que c'est possible d'émerger dans ce monde sans toucher à la magie? Je lui ai dit que c'est possible. Amen. Je voulais dire à quelqu'un parmi vous que c'est possible. Vous n'êtes pas la seule personne à rencontrer des difficultés dans la vie. Il n'y a personne qui sert Dieu qui n'a pas rencontré des problèmes. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes. Mais Kasi, l'Éternel Yahweh Nzambe l'en délivre toujours. Akango la kabango kaka. Est-ce que c'est vraiment pour ça que tu vas partir faire la magie? Ndepo nantina na likambo okende kosala soloka. C'est pour cela que tu vas abandonner la foi? Ndepo okotika kondima. Alléluia. Amen. Certainement que les gens ne connaissent pas qui est Dieu. Ezali solo ete bato tango mosu ba binzamba zali nanite. Dieu, c'est le créateur des cieux, de la terre, du visible et de l'invisible. Il n'y a pas un homme comme ça. Je vous disais, il n'y a pas que le monde tel qu'il est là, au moins la planète Terre sur laquelle nous vivons, est constitué de 70% d'eau. Yango et Salemi na 70% ya mai. Mais Dieu a donné l'ordre à toutes ces eaux. Kasi nzamba pesa motindo na bamba inyonso. De ne jamais quitter leur lit. Yango elongwa na ntaka oyatiela ngote. Il y a quelqu'un qui dit mais pourquoi alors les eaux de Kalamu et de Makelele débordent? Mosusu alobi pani mai ya Kalamu. Ça c'est la mauvaise gestion de la ville. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Kotonda wana ezali ko yangela ngumba mabeli kambo etali nzamba ta mokele. Lorsque tu regardes l'Atlantique. Tango zali ko tala l'Atlantique. Tu regardes l'océan Indien. Otali océan Indien. Tu regardes l'océan Pacifique. Otali océan Pacifique. Donc tu peux partir du Cap. Okokiko sur l'océan Atlantique. Na océan Atlantique. Tu dépasses l'Europe. L'équipe auto. Quand tu continues vers l'Amérique. Tabo Kobe kuna na Amérique. Tu vas retrouver l'océan Pacifique. Okokutana na océan Pacifique. Si tu retournes. Ce que zoom vers l'Asie. Ozali kozonga na Asie. Tu redescends un peu. Ozali kokita mwa mwa. Tu vas retrouver encore l'océan Indien. Océan Indien. Qui peut faire des choses comme ça? Nani akokiko sala makambo lo lengo. Alors maintenant pour rien, c'est comme le campo moquelo pour le boyer, n'attique yango. Ça devient comme ça, j'abandonne. Abandonne. Père ndana osepelo tika pour nous la deux amis. Pour que tu abandonnes comme ça au ciel, on ne sera pas le monde fort pour le roi. Donc benti maboko pour la lokumulanza. C'est ça la totipotence de Dieu. Il contrôle tout ça. Des milliards d'années. Il contrôle ça. Il
Il y a des études qui renseignent que chaque homme consomme par jour 150 000 litres d'oxygène. Or, l'oxygène coûte au moins 10 dollars. Oxygène est à 10 dollars. Alléluia. Amen. Et c'est-à-dire que pour que tu puisses vivre, si Dieu n'existait pas, il te fallait chaque jour 1 million 150 000 dollars pour vivre une seule. Si nous multiplions ça par 365 jours, il te fallait 365 millions que ton père, ta mère, même tes arrière-parents n'ont jamais touché. Mais il y a quelqu'un qui te branche, il paye cette facture-là pour toi et tu veux abandonner cette personne-là parce que c'est toi qui as des problèmes. Tu ne sais pas que son fils a eu des problèmes. On a cherché à le lapider. Il a fui sur la terre de son père. Il a été crucifié sur la croix. Est-ce qu'il avait abandonné Dieu? Il avait abandonné Dieu. Dans sa prière, il dit Eloi, Eloi, ça veut dire que mon père, pourquoi tu m'as abandonné? En d'autres termes, il voulait dire que même si toi tu m'as abandonné, amen. Alors c'est ce Dieu-là. Il gouverne 197 états. Parce que je vous avais dit que le monde est constitué de 197 états. Il y a 193 seulement qui sont membres de l'ONU. En Afrique, il y en a 54. En Afrique, Ezali na 54 mboka. Je ne veux pas parler du Sahara occidental parce que jusque-là, il est encore contrôlé par le Maroc. Lorsque vous êtes en Amérique, il y a 35 États. En Asie, il y en a 47. En Océanie, il y en a 16. Il est contrôlé par une seule personne. Celui qui fait lever le soleil chaque matin et l'autorise de dormir chaque soir. Et même les États qui ne sont pas encore membres de l'ONU. Je vois là les îles Icône, New. Je vois l'État palestinien, je vois le Vatican. Tous ces États sont contrôlés par le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs. Et donc comme ça, on va les comparer à qui? Je voulais dire à quelqu'un, quel Dieu est plus grand que ton problème. Je voulais te donner l'assurance qu'avant la fin de ce culte, si tu étais malade, tu vas recevoir la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est le même aujourd'hui et éternellement. Mais pourquoi ces deux totipotents nous laissent des fois souffrir? C'est parce que nous ne respectons pas les normes. Lui n'a pas changé. Il a bon guanaté. Ce sont les enfants de Dieu qui ont changé. Les alibans en entendent des babas. Maintenant dans les maisons des pasteurs. Si quand on d'accord, il y a baba qui la musique de Tuzaïna joue facilement. Yembo ya Tuzaïna na pété. Non, non, non. On venait de nous lire les écritures. Bauti kotangi la bisoma komi. On nous parle de quelque chose que nous connaissons tous. C'est le buisson ardent. Bazali kotali sabiso loko moko to bibiso nyonso ezali matitu ezalaki kopela. Pourquoi Dieu apparaît dans un buisson? Pendant tina nini nzambe akobima na matitu ezali kopela. Tout simplement parce que Moïse l'avait fui. Ezali pointe Mose akimakiye. Moïse c'est un enfant né contre la décision de Pharaon. Mose ezali mwana wa botami élevé grandi à la cour royale. Mobeko na falo bakolisie na ndako. Moïse avait tué un Égyptien. Mose abomaki moto en Égypte. Il dut fuir pour se retrouver à Madian. Et pourtant, c'est Dieu qui avait ordonné aux Juifs d'aller dans l'esclavagisme dans le pays d'Égypte. Lui, il arrive là-bas pour avoir tué un Égyptien. Il fuit.
C'est Dieu qui t'a envoyé dans ce monde. Pourquoi tu veux le fuir? Si tu avais mal agi, si ce n'est pas un péché volontaire, reviens à lui. Jésus, si ce n'est pas un péché volontaire, que Dieu ne pardonne pas les péchés volontaires. Hébreux 6:4. Les péchés volontaires, c'est quoi? On sait qu'on fait du mal à quelqu'un. Mais on le fait quand même. On sait comment. Mais on le fait quand même. C'est un péché volontaire. Alors, quand Moïse fuit, il va à Madian. Lui qui était élevé dans la cour royale, il devient serviteur du prêtre d'Eruel qu'on appelle Jethro. Mosali y a prêtre Obabengi Jethro. Le prince devient gardien de chef. C'est ainsi que lorsque vous voyez les gens souffrir, c'est vrai qu'il y a le combat de Dieu. Mais souvent, c'est la vie que mène ces gens. Alors Dieu, dans son amour, il voit Moïse gardien de chef. Il dit non, toi tu es libérateur d'Israël. Je voulais dire à quelqu'un, toi tu es libérateur de ta famille, tu es libérateur de notre église, tu es libérateur de l'église du Christ au Congo. Amen. Mais ce qui était bon, c'est que Moïse avait gardé les séquelles des attitudes royales. Pendant qu'il était en train de perdre le troupeau de son père, il va se dire que je puisse quand même passer à la montagne d'Horeb. Le mont d'Horeb, c'est aussi ça, le mont Sinaï. C'est par là que Dieu parla à son peuple. Les jours où il est descendu, la Bible dit que toute la montagne était en fumée. Je veux que Dieu puisse descendre dans ta vie ce matin et que tu sois entouré par une fumée céleste qui va empêcher aux hommes de te faire mal. Mais le totipotent est aussi principiel. Quand il regarde Moïse, il ne mérite pas ça. Je voulais dire à quelqu'un que tu ne mérites pas ce que tu es en train de connaître comme difficulté, problème dans la vie. Dieu voit. Alors il va l'appeler par son nom. Il y a des gens que Dieu connaît par leur nom. Alléluia. Amen. Je sais que beaucoup d'hommes ne te connaissent pas. Mais je sais que Dieu te connaît. C'est toi qui ne sais pas que Dieu te connaît. Il y a un homme, Nathanaël. Lui ne savait pas que Jésus le connaissait. Mais le jour où il rencontra Jésus, il l'appela par son nom. Il finit par dire que voici le Christ. En qui il n'y a point de front. Ma sœur, c'est lui qui est connu de Dieu ici. Il n'est plus à la cour royale. Il garde les troupeaux. Il ramasse l'odeur des excréments des animaux. Mais malgré cela, Dieu le connaissait. Que tu sois habillé en Weston ou pas, si tu as le sang de Dieu, Dieu te connaît. Les hommes peuvent t'ignorer. Mais un jour, ton père viendra te chercher. Ce n'est pas Moïse qui était parti chercher Dieu. C'était Dieu qui était parti chercher Moïse. Je voulais dire à quelqu'un que ce matin, Dieu est en train de te chercher. Amen. Mais pourquoi Dieu en arrive là? Il a vu la souffrance non seulement de Moïse, mais aussi la souffrance de son père. Alors, je voulais prédire quelque chose.
L'histoire que nous sommes en train d'exploiter ce matin est tirée du livre d'Exode. Dans la Torah. L'Exode. C'est le deuxième livre. Dans la culture juive. Ne pensez pas que c'est Dieu qui a donné les intitulés des livres qu'on trouve dans la Bible. Dans la culture juive. Dans les Torah. On donnait aux livres les noms du premier mot par lequel commençait ce livre-là. Vous ne m'entendez pas. Non, pour entendre, vous entendez. Mais vous ne me comprenez pas. Je vais me répéter. Je dis que dans la Torah, c'est ça le livre que Moïse avait laissé. Les noms attribués au livre. Genèse. Exode. Nombre. Deutéronome. Lévitique. Ce n'est pas Dieu qui a donné ça. Les Juifs, ils ont titré ces livres en se référant au premier mot qui a été utilisé par Dieu. Alors, à ce qui concerne les livres d'Exode, qu'on appelle en hébreu Shemot, les premiers mots qui est utilisé dans ces livres veut dire non. Combo. Dieu ne faisait rien au hasard. Il disait qu'avec le deuxième livre viendra un nom. Amen. Vous ne m'entendez pas bien. C'est ainsi que avec Moïse nous avons eu la Torah. Jusque-là Israël était resté sans livre. C'est ainsi que les jours où le deuxième livre devait descendre sur la terre, il n'y avait personne qui pouvait ouvrir les livres ni de rompre les choses. La nouvelle alliance, c'est un deuxième livre. Il vient remplacer les livres qui ont été écrits par Moïse. Mais comme le deuxième livre de Moïse avait commencé par un nom, la nouvelle alliance viendra également avec un nom. Amen. C'est pourquoi que personne n'était troublé. Gégé ne sauve pas. Gégé abiki sakamoto à mon côté. Les dieux des noirs ne sauvent pas. Il y a un seul nom qui a été donné pour le salut de l'humanité. C'est le nom de Jésus. La Bible dit tout genou fléchira devant le nom de Jésus Christ. Parce que ce matin, la pauvreté, la maladie, le blocage, les complications, que tout ce qui vous combat se mettent à genoux devant vous. Pourquoi? Parce que vous êtes c'est le nom de Jésus. Amen. Moi je ne suis pas ces choses. Vous savez que dans notre église, nous avons des patrons de chaînes de télé. Alors l'un de mes enfants là, qui a sa chaîne de télé, il m'a présenté 3 cas où on chante Gégé au Congo. Le premier Gégé a été chanté par un musicien. Le deuxième Gégé, il est toujours chanté par un autre musicien. Il l'appelle le Gégé plus récent. La seule personne qui a pire c'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Amen. Lokota monene, Oyakanisaka,
Gode akobanga waya Yesu Masiya umela libera Yesu Masiya umela libera oya kanisaka Gode akobanga waya Gege pire satash for la seule personne qui est pire et s'attache, c'est Jésus-Christ à la matière de Galilée. Jésus-Christ au cours de la Galilée. Mon frère, nous parlons du nom. Pour que tu puisses voir la totipotence de Dieu, il faut respecter le nom. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Quoi que vous fassiez, en acte namosala, ou en parole, namaloba, faites tout bosala nyoso, au nom de Nakombo, pas au nom de Kéké, Nakombo na Gegete, Nakombo na Yesu. C'est le seul nom. Ezali Kombo moko pamba. Faut pas distraire les gens. Et vous voulez faire des aventures, allez dans Touzaïna. N'amenez pas des aventures à l'église. Les godets sont là. Comment l'église est commise? Isala sala. Mwalika mumuke. Il faut que tu abattes na tonne ma fouta. Quand il y a il faut qu'on paye sa montre en connu. Des gens dans des tonneaux d'huile. Il faut qu'on paye la guégué. Il faut Naboy. Implorer guégué. Moi, je refuse. Et puis à l'église, l'église, il faut éviter des confusions. Et Sengeli Kobo Yambulungana. La Bible dit, et bien l'obé. Si la trompette ceux qui donne un son fou, trompette le peuple ne sera pas éclairé. Éclairé. Si tu veux prononcer le nom de Jésus, même si tu bégayes, même si tu bégayes, il faut faire comme moi. On doit peut-être. On a je amen. Donc ce sont des confusions. Pour après prendre les champs. Vous ne prendrez pas Mwamba. Regardez comment on est en train d'enlever. De fil en aiguille. De fil en aiguille, c'est-à-dire progressivement. Le nom de Jésus dans nos églises. Même quand tu témoignes, tu dis que j'ai béni le Dieu de mon père Godin Poy. Il faut donner son nom. Évitez le flou. Le nom de ton père c'est qui? Il y a un seul nom qui a été donné. C'est le nom de Ezali Kombo na Yesu. Et puis ce que mon monté a zoté au nom de Yazo complété Jésus. Il faut éviter que papa au Bosani. Amen. N'a pas mon nom au nom de Jésus. Mais pourquoi on s'opambe le bisson? Pourquoi tu dis au nom de qui? Au nom de qui? Dans cette église, l'Ecclesia. Nous n'avons pas besoin du nom de côté. Nous n'avons pas besoin du nom de Balembongi. Nous n'avons pas besoin du nom de Mahomet. Nous n'avons pas besoin du nom de Kéké. Nous avons besoin d'un seul nom. Le nom de Jésus. Amen. Vous savez, parce que vous ne connaissez pas les mystères de Dieu. Jésus, ce ne sont pas ses parents qui lui ont donné ce nom. C'est l'ange qui a amené le nom. Il dit que pour Zacharie, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Pour Gégé, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais celui-ci, il s'appellera. Il y a le mystère dans le nom. Et ça n'a ma bombe mis la carte la combo. Si on te donne le nom, ce qui va péter au combo. Bien envoûté. Yamoto. Tu seras envoûté. Yoko Zamoto à l'okama. Écoutez la réaction. Oyoka. De
parents de Jésus. Baboti na yusolo lenge basali. Dans leur famille. Na libota na bango. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait ce nom là. Nakala moto atamoko ta zaka na kombo oyo. Ce n'est pas un nom de famille. Ezali kombo oyo bimaka na libota. C'est un nom céleste. Ezali kombo yuti na lola. Jésus c'est un nom des esprits. Ezali kombo a milimo. Jésus représente. Yesu ezali kombo. Le Dieu tout puissant. Ezali kotali sanze. Parce que en Jésus. Yete na kati na Yesu. Habite corporellement. Ezali ki kofanda. Toute la plénitude. Bonzambe nyoso akotonda. On ne joue pas avec le nom. Basakana kana kombo te. Mais boka mwagate. Comme mon cousin, aux autres bacs au nom de Jésus. Tu dis malade ici. Au nom de Jésus, et la ça maladie. C'est pas un nom. C'est pourquoi nous dans cette église. Nous allons élever le nom de Jésus. Je vous dis mes enfants. Je sais que dans l'église du Congo, il y a trop de jalousie. On invente des choses contre les pasteurs. Mais je dois aussi vous dire la vérité. Il y a maintenant beaucoup de petits magiciens qui sont entrés dans les églises. Comment on va les reconnaître? Par les œuvres. Amen. Quand tu vois un pasteur, il te dit que pasteur Azamoutou. Le pasteur. Il n'y a pas qu'à déjà. Il faut voir qu'il n'est plus devant Dieu. Quelle est cette église? Église Yangonine. Aujourd'hui, au lieu de parler de la sanctification, c'est toujours le péché. Non, si tu presses comme ça, ce n'est rien. Ceux qui ont Simbibo, ils ont côté. Non, mais c'est. Je te chasse de l'église de la Bible. Église à la combo de Yesu. Est-ce qu'il me voit dans son église? Moi je te cherche. Tu as l'alimentation na yo, supermarché na yo. Église de Jésus. Mais je te cherche. La Bible dit que surtout parmi les juifs. Mingi na bayo. Il y a beaucoup de gens à qui il faut fermer la bouche. Surtout parmi les prédicateurs. Mingi na kati. Il y a beaucoup de gens. Parmi les chantres. Il y a beaucoup de gens à qui il faut fermer la bouche. Qu'on ne vous trompe pas. Dans aucune langue du monde, Jésus s'appelle Gégé. C'est ça. Dans aucune langue du monde. Alléluia. Amen. Dans aucune. C'est en Albanie où il y a un dialecte qu'on appelle Gégé. Mais je vérifie même dans la chez les Allemands. Le Gégé n'existe pas, mon frère. Ndeko. Faut pas jouer avec l'église. Les côtés sont là. En église, il y a des. Un jour, on voulait jouer avec Jésus. Pierre a pris. Mettez-le à Zouaki. Le père. Azui Mopanga. Akati Moutulitoi. Ndana Tini Binobokata Batulitoi. Ndana Zou corrigé la connaissance. Moi je suis en train de. Bonjour, je suis ce matin à Polygamie Nambo. À partir de la lèvre, nous avons beaucoup de choses. Soulager les opprimés, il est toujours capable de délivrer. Son nom c'est Jésus. Jésus, il va te consoler. Il guérit le cœur brisé. Soulager les opprimés, il est toujours capable. Jésus, avant la force à m'encourager, pas comment affronter Satan. Des gens qui peuvent affronter Satan. Comment on peut laisser aux gens qui sont là. Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Acclamons très fort pour le moi. Le seul nom Kombo Moko qui est
est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi moi je regrette. Il y a même les gens qui invoquent Marie. Non. Le seul nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'invoquer les anges. Tu n'as pas besoin d'invoquer le monde. Tu as besoin d'invoquer un Dieu vivant. Le seul Dieu qui était mort et qui est ressuscité s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Donc, si tu veux voir la puissance de Dieu, ne va pas faire la cabale juive. Ne va pas faire la magie. Ne touche pas au fétiche. Il est le même. Hier, aujourd'hui, et à jamais. Je sais que même ceux qui font ces choses, c'est par ignorance. Nous devons prier pour eux. Qu'ils se convertissent. Qu'ils abandonnent de mauvaises voies. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, les pasteurs, nous voulons vivre comme des stars. Non, si la célébrité doit venir, qu'elle vienne, mais qu'elle trouve d'abord la divinité. Comme on cherche à vivre comme des stars, on fuit et on s'enfuit partout pour qu'on puisse marquer les gens. Je vous dis, tout ce que l'homme fait reste éphémère. Le succès, quand il ne veut pas de Dieu, il passera. Ce monde a connu des grands. Ce monde a connu Hitler. Ce monde a connu Mussolini. Ce monde a connu Mobutu. Ce monde a connu Lumumba. Ce monde a connu le père de la démocratie. Le leader charismatique. Papa Eternité, c'est de Mulumba. Ce monde a connu. Nous Laurent Désiré Kabila. Ils sont tous partis. Il y a une seule personne qui ne partira pas. C'est celui-là que je vous présente ce soir. Abandonnez Gégé. Venez à Jésus. Amen. Je sais. C'est parce qu'on dit à ces gens que Yanzambe est à la pète. Yanzambe, ce que Dieu donne, et Yakapna pète, ça vient, mais Ejoya Libela, na Libela, Yakege, Ejoya Mbango, mais ça n'a pas 5 glaces na moi, mais ce que Gege donne, disparaît rapidement, na Lingo Mingi, je t'aime beaucoup, na Lingo Koufate, je ne veux pas que tu puisses te faire, je suis en apostat na yo, il a besoin de toi, na 5 glaces que ne koyam mola na TV, je ne demande pas d'aller devant la télé, demande pardon à Dieu va t'accueillir. C'est ton père. Mes enfants, écoutez. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et le même. Hier. Aujourd'hui. Lélo. Et éternellement. Il avait multiplié les poissons pour nous. Nous n'avons pas besoin de poissons aujourd'hui. Nous avons besoin de dollars. Est-ce que le Dieu te prie puisse multiplier le dollar dans vos poches, dans vos mains, dans vos comptes? Que Dieu multiplie vos jours sur la terre. Que Dieu multiplie la grâce dans ses affaires. Que Dieu multiplie la vie de sanctification. Dans la vie, il faut apprendre à faire votre propre course. Ne vous comparez à personne. Ne vous comparez à personne. Vous avez mangé le pondou. Vous vous proclamez premier en matière de consommation de manger pondou. Et ils sont premiers en matière de viande. Mais toi aussi tu es premier en matière de pondou et de matembe. C'est pourquoi je ne vois pas. Moi, ces derniers temps, j'apprécie les chefs d'État africains. Ils ont un sursaut d'orgueil. Ils contestent maintenant l'impérialisme. C'est bon. Mais monsieur le chef, avec tout le respect que je vous dois, occupez-vous aussi de vos populations. Donc,
Plus vous réclamez la dignité, il faut aussi vous occuper de la population. Vous aussi la population, il faut payer les impôts pour que le gouvernement ait les moyens de construire les hôpitaux. Acclamons très fort pour le gouvernement. Donc je disais que j'aime quand même le sursaut d'orgueil. C'est depuis comme à l'époque où on y traite tout ça. Tout le monde tremble. C'est pourquoi je te dis, ne faut pas trembler devant les premiers en consommation de viande. Les premiers en consommation de viande. Vous êtes des collègues premiers. Les premiers en consommation de viande. Vous aussi. Premiers en consommation de matemé. C'est une association de. Amen. Vous savez à l'ONU. Même si la Centrafrique n'a pas l'argent. Attaque au Centrafrique et Zangimi Solo. Mais il est toujours un siège pour le président centrafricain. Je voulais vous dire ce matin. Laissez. Au fétiche, c'est pas bon. Tout le monde dans ce monde a son problème. Il ne faut pas vouloir avoir la paix. Je voulais dire à une personne. Je voulais dire, les enfants, pensez que Moïse était à la surveillance pour eux. Dieu l'attendait. Je voulais dire à quelqu'un, malgré tes problèmes, malgré tes souffrances, Dieu t'attend dans le buisson ardent. Ce n'est pas toi qui vas l'appeler. Lui-même, il va t'appeler. Ça ne va pas s'arrêter là. Il va te réhabiliter. Moïse arrive devant Dieu avec le sandal de Madianite. Dieu regarde. Il dit non. Ça, ce n'est pas la totipotence. Il lui dit que là où tu es, enlève d'abord les chaussures. Tu es sur un lieu saint. Mes amis, l'église, c'est un lieu saint. On ne profane pas l'église. Vous êtes modérateur. C'est comme si c'était Dieu qui modérait la prière. Même si vous n'aimez pas un chant, comme c'est à l'église, il faut l'appeler par son nom. Ça, c'est le lieu saint. Acclamons très fort pour le Dieu. La puissance de Dieu n'est pas finie. Ne perds pas de l'espoir à cause des problèmes. Il va te visiter. Il viendra te chercher. Dieu habite le ciel. Mais à cause de Moïse, il est descendu dans les buissons. Il l'appela. Il est descendu ce matin. Il va te réhabiliter. C'est Dieu qui va dire à Moïse que tu perds ton temps. Parce que Moïse croyait qu'il avait du succès en gardant le troupeau. Mais Moïse était prince. Moïse était prince. Mais Dieu descendit. Il lui dit, comme tu es devant moi, enlève d'abord tes chaussures. Car le lieu sur lequel tu marches, c'est un lieu saint. Peuple de Dieu, quand vous venez à l'église, ayez le cœur pur. Ayez le cœur pur. Comment tu peux avoir de l'argent? Même quand je prêche contre les déviations qu'on observe ces derniers temps, je ne suis pas contre ses amis et frères. Mon problème, c'est qu'il quitte la mauvaise voie. Quelqu'un ne peut pas être pire et s'attache, c'est fort. La seule personne qui est pire et s'attache, c'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Il trouve Bakuti, Moïse en faillite totale. Akuti Mose, gardien de chèvres, Yakwe, attendant un salaire. Azali kobate, je sais que vous ne comprenez pas bien. Futi, na, bino, dans les royautés, les princes ne travaillent pas. Bana, na, bakonzi, basaka, les princes, on les lave. Bana, ya, bakonzi, basuko, na,
Je n'interdis pas le travail. Je voulais dire que quand tu es dans le royaume de Dieu, c'est toi qui travailles. Mais c'est Dieu qui bénit et garde ton travail. Pambola pas avec obate la mosala na yo. À cause des problèmes. N'abandonnez pas Christ. Yo kotika Christ. Ne suivez pas les voies détournées. Yo kolanda banzi. Aujourd'hui les chrétiens. Le nom de Christ. Ont toujours des bracelets. Bazali kaka na ekomo. Sur les bras. Na mabou. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Ezali kotala Yesu te. Si tu mets ça pour l'esthétique. Yo ki otiambo po. Dis que c'est pour l'esthétique. Lobeza pona kito. Mais ce n'est pas un point de contact. Kolobate ezali esi. Le seul point de contact. Esi ka bokuta ni entre l'homme. Na katika et son Dieu. C'est le cœur pur. Et ça m'a été ma paix, toi. Amen. Quand il regarde, Tango Atali, il appelle à Bengi, Moïse. Mose. Il dit que maintenant, alors, rentre en Égypte. Et que tu arrives là-bas, Tango, comme en Égypte, tu vas libérer mon peuple. Si tu reviens à Jésus, si tu abandonnes Balembongo, si tu abandonnes Kadima de Kanana, si tu abandonnes le Mukuna de Lemba, si tu abandonnes Gege, tu reviens à Jésus, il va te réhabiliter. Il est écrit dans la Bible, vous serez des têtes. Amen. Après avoir reçu l'instruction, il rentra en Égypte. C'est grâce à Moïse que le peuple sortit de l'esclavage. Je voulais dire à quelqu'un, grâce à ta conversion, ta famille va sortir des envoûtements du monde. Grâce à ta bénédiction, notre église doit sortir du ghetto. À cause de toi, tu es l'outil. Je voulais te dire avec assurance. Dieu est tout puissant. Il n'y a aucune puissance au-dessus de Dieu. Aujourd'hui, Lelo, tu peux toucher à la magie pour vendre. Tu finiras par mourir. Tu peux toucher à la magie pour régner. Tu finiras par mourir. Je connais plusieurs personnes qui ont touché à la magie. Ils ont fini par mourir. L'une des personnes que vous connaissez tous. C'est le maréchal Mobutu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Dominique Sakombi qui l'a dit. Ezali Dominique Sakombi. Il a dit le maréchal. Ya mona maréchal. Prendre un verre de saïmé. Mais maréchal. Yakoufa. Avant 70 ans. Et tu n'es pas le premier à suivre cette mauvaise voie. Quitte la sorcellerie. Jésus a besoin de toi. Au lieu de faire les avions la nuit. Quitte la sorcellerie. Va à Alvar. Tu feras des avions visibles. Je voulais vous dire ceci. Il n'y a aucun nom sur la terre qui est au-dessus du nom de Jésus. À l'église, nous évoquons un seul nom. Dans les chansons des enfants de Dieu, nous évoquons un seul nom. C'est le nom de Jésus. Il est le même. Aujourd'hui, Lelo, éternellement, celui qui avait cherché Moïse, c'est celui qui m'a envoyé te chercher. Il m'a demandé de te dire, tu ne mourras pas pauvre. Amen. Il m'a demandé de te dire que c'est à lui qu'appartiennent l'or et l'argent. Il te demande une seule chose. Deviens son fils. Deviens sa fille. Il va te donner l'or et l'argent. Le pays est pourri. Allez dans des régies financières. Allez dans des sociétés multinationales. Les loges règnent à maître. Ne cédez pas à ce genre de choses. Il y a une seule personne qui a été tuée. Il était mort. Enterré. Enseveli. Le premier jour. On constata sa mort. Le deuxième jour, on constata sa mort. Mais le troisième jour, le tombeau était resté vide. Je voulais te dire,
C'est dans la vie. Il y a le haut et le bas. Tu as souffert. C'est le symbole du séjour de Jésus. Dans la table. Ce n'est que le premier jour. Ce n'est que le deuxième jour. Mais je voulais dire à quelqu'un. Le troisième jour porte l'horizon. Le troisième jour. Veut dire quoi? Le troisième jour. Veut dire la troisième personne de Dieu. Qui s'appelle le Saint-Esprit. Quand cette personne-là entre en toi, entre dans une église, tout ce qui était mort va ressusciter au nom de Jésus. Je sens la présence de Dieu au milieu de nous ce matin. C'est pourquoi je voulais te dire, ne t'inquiète pas, tu vas voyager, tu vas acheter des immeubles. Et je te dis, le prochain gouvernement sera dirigé par toi. Quand tu seras la primature, nous allons mettre le verset biblique partout pour que les pays puissent aller de l'avant. Mes chers amis, je ne suis pas contre vous. Je ne suis qu'un simple prédicateur de la bonne nouvelle. Dieu m'a demandé de vous dire d'abandonner ces mauvais. Michael Jackson était dans la magie. Il est mort jeune. Il fait ses mauvaises choses. Il n'a une seule personne qui donne la prospérité, qui donne la longévité, qui donne la gloire, qui donne le succès. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. La perlouse de Nazareth. C'est la personne qu'il faut suivre. Quand vous allez le suivre, vous serez béni sur la terre. Même s'il ne revenait pas, 120 ans après, vous allez mourir. Mais pas comme les autres morts. Parce que les morts en Christ, au son de la trompette, ils ressusciteront. Ces jours-là, nous allons voir Abraham, Moïse, Isaac, Pierre, Paul, Matthieu, nous allons le voir. Après avoir vu tout ce monde-là, il sera sur son trône. Il va nous demander de monter sur le trône, de l'embrasser, de baiser ses pieds. Nous vivrons éternellement. C'est ça l'avantage. Gloire à Jésus. Quelqu'un donne la mort. Mais Jésus donne la vie. Amen. En tout cas, je crois que j'étais très utile pour toi ce matin. Je ne suis pas contre ces frères qui ont quitté le droit chemin. Nazali, côté mes abandéko balongo na nzela mala muté. Je les aime. Nalingi bango mingi. Ils sont nombreux. J'ai reçu des joueurs à mon bureau ici. Qui avaient suivi mes prédications. Ils m'ont dit des choses terribles. Il y a des joueurs qui sortent avec leur président, avec leur entraîneur, comme si c'était avec des femmes. Le pays va très mal spirituellement. Nous avons besoin de l'insecticide spirituel pour interdire aux moustiques de nuire aux enfants de Dieu. Vous connaissez la différence entre les moustiques et les hommes. Les hommes, ce sont des vertébrés. Les moustiques, ce sont des invertébrés. Il y a beaucoup de moustiques spirituellement. Sans colonne vertébrale, sans Saint-Esprit, ils font tout mécaniquement. Non, les choses de Dieu ne sont pas mécaniques. Elles sont spirituelles. Quel que soit le problème que vous avez, soyez patient. Dieu vous visitera un jour. Je me souviens de la phrase fétiche de ma mère.
liloba moko a moboti na ngai mwasi. Il m'a toujours dit une phrase. Ye atalisanga liloba moko. Que je répète à qui veut m'entendre. Oh nakobandela na wali. Il m'a dit toujours godé wani. Azai koyebisanga godé na. Zambi tudi tutendele la. Zambo tozai kobondela. Na kuvula kana sitiba dada mulo. Ako kandisa atana ntango na popo. J'aime cette phrase là. Ngana linga kali lobo. Qu'est-ce que ça veut dire? Yango liko lobani. Que le Dieu dont nous sommes serviteurs. Il nous visitera même le soir. Yako mimoni c'est pas na bisaka. Ne désespère pas. Yoko zange ni. Même au soir de ta vie. Atana popo abomo. Il finira par te visiter. Amen. Je préfère m'arrêter là. Je disais. Je préfère m'arrêter là. Il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Yango ndensango. Que Dieu bénisse les mamans. Maman. Que Dieu bénisse les papas. Que papa. Bénisse ses serviteurs et ses servantes. Que Dieu bénisse les chantres et les techniciens. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Sans oublier le protocole. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse ceux qui passent devant notre église. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé, sur WhatsApp, sur Internet. Et que Dieu bénisse notre passage. Na katia lopango